Ouais, salut les gens. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir une petite vidéo comment rentrer sur un serveur qui ont été cachés, puisque depuis quelques mises à jour, il y a un bug et votre serveur n'apparaît pas dans la liste des serveurs. Donc je vais vous faire voir comment avoir accès à cette fameuse liste, malgré qu'il ne soit pas, entre guillemets, inscrit dessus. Donc on va aller sur le jeu et je vais vous faire voir tout ça. Donc là, vous démarrez votre jeu. On va aller sur un serveur non officiel, peu importe, on s'en fout. Donc moi je vais prendre le premier. Voilà, on prend celui-là. Alors je vais vous faire voir déjà que mon serveur n'est qu'à... Et en fait il est vraiment caché. Donc là je mets 666. C'est le nom de mon serveur. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Il y a Marley, Marley 666. Donc vous voyez qu'entre guillemets, le mien, il n'est pas connecté. Donc je vais cacher ça. Voilà. Je vais me connecter parce qu'en fait, sur l'autre serveur, j'ai déjà un compte. Ça va me éviter de créer un personnage sur plein de serveurs. On va prendre celui-ci pour l'exemple. Donc ça n'a pas d'importance. C'est vraiment. Vous sélectionnez n'importe quel serveur, ça fonctionnera. C'est bien ouvert à voir que le 666 n'apparaît pas dans la liste. Donc là, vous faites le petit bouton à côté du triangle pour sélectionner les paramètres. Et vous faites, comme c'est marqué tout en bas à gauche, dans la commande de console. Et vous tapez, donc c'est soit celle-là, ou soit directement open avec l'adresse IP de votre serveur. Donc les deux fonctionnent. Donc on va prendre celle-ci. Arc use server list 0. Là, ça, je crois que ça a bugué. Voilà, et on fait terminer. Donc là, on quitte le serveur. On fait commencer. On va donc rejoindre une partie. Là, on sélectionne tous les serveurs. Donc vous mettez le nom de votre serveur. Et là, il l'a trouvé. Voilà, il y a 666. Donc là, on voit tous les serveurs seront affichés. Donc là, le Marley, il est toujours là. Et il a affiché, donc c'est-à-dire que toutes celles-là, là, bon, en fait, ils sont sur un serveur dédié sur SteamSMD. Donc là, on rentre dessus, simplement, on voit tous les modes installés. Donc moi, j'ai mis le S+, les Cryo, les trucs tech. Utility Plus, ça c'est pour bien, c'est pour choper la Renew Data, pour ceux qui connaissent. J'ai mis la structure de structure, comme ça un serveur PVE c'est plutôt pas mal. Et puis en même temps les vérandas, parce que ceux d'origine sont plutôt pétés, on va dire. Donc voilà. Donc là on fait rejoindre. Et voilà comment se connecter à un serveur dédié qui ont malheureusement pas. Et qui sont malheureusement pas affichés sur la liste des serveurs. Et là, on rentre directement sur le serveur. Donc là, moi, en général, mes noms de serveur, c'est un monde de merde. Vous pouvez le voir juste au-dessus. Donc là, je l'appelais 666, c'était pour le chercher, parce que taper un monde de merde, c'était casse-couille. Donc du coup, je l'ai renommé 666 pour vous faire le test. Donc voilà, les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao.